Là, nous avons sous les yeux un composteur qui a été fait avec de la palette de récupération. Donc, en fait, c'est tout bête. Hein. Il suffit de récupérer des palettes, les mettre l'une à côté de l'autre. Et puis, on met notre compost à l'intérieur. Alors, dans un compost, ce qu'il faut être surtout vigilant, c'est de ne pas mettre de plastique, des choses qui pourrissent pas, comme le verre, des ficelles, etc. On peut mettre dans un composteur quasiment presque tous les éléments, tout ce qu'on mange. Bon, après, il faut être modéré avec tout ce qui est agrumes. On peut même mettre des coquilles d'œufs. Hein, on voit là, moi je mets mes déchets dans ce compost. On met des coquilles d'œufs qui se désagrègent après par la suite. Hein. Donc l'idée, un composteur, faut que ce soit un endroit où ça prend l'eau. Il ne faut pas le mettre trop sous des arbres. Parce que pour qu'il se décompose, il faut qu'il soit quand même humidifié. Quand on met des pommes de terre, ça c'est assez important. Surtout les pommes de terre, il faut les couper en morceaux de manière qu'elles ne regerment pas. Parce que sinon ça repousse à l'intérieur. Et de temps en temps, il faut le remuer pour que ça pourrisse. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, un composteur qui est bien fait, ça n'a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur.